Le 13 septembre 1980, à 7h13, minute 18 secondes précisément, Pierre, de la famille des Dujardin, Olivier et Jacques, voit le jour à lui. Il est le premier enfant d'une lignée de quatre, où il s'imposera vite comme chef de tribu et deviendra un modèle pour ses frères et sœurs. Pierre aime jouer avec ses grelots, boire de grands verres d'eau, jouer avec sa peluche, prendre des bains avec ses amis, jouer sur son cheval à bascule et manger des glaces. Pierre n'aime pas porter des cagoules, changer ses couches. Qu'est-ce qu'il y a, Camille? T'as rêvé que Pierre achète un nouveau béret? Non, Pierre, j'ai rêvé qu'on n'avait pas d'idée, qu'on n'avait pas d'imagination, qu'on savait pas quoi faire pour le mariage de Pierre et qu'on faisait un truc à Amélie Poulain et tout, c'était super nul. Non, Cam, tu le sais bien, Pierre, ça est complètement dégoûté. Nous, on veut faire quelque chose de différent. Alors, ça tourne. Par contre, on n'a toujours pas parlé de Pierre et de Midi. Hein. Ouais. Bon allez, on s'y met. Hein. Hop, allez. Mais, Jamy, qu'est-ce que c'est un bon film de mariage? Eh ben, c'est pas gagné. Hein. T'aurais pas une idée? Un bon film de mariage, Jamy, c'est très simple. C'est X au cube sur la relativité de 5 sur racine de 8. Un peu comme... Une interview des amis de Pierre. Seule consigne, la jouer fair play. Prouver aux grands-parents que Pierre et Dominique sont des jeunes gens bien. Bah. Salut Stéphane. Ah merde. Tu veux pas participer au film? T'es sûr? Bon, d'accord. Ah non, mais Gustavo, c'est important que tu participes à ce film. T'en as rien à foutre? Ah, non. Salut Dimitri. Salut Camille. Alors, raconte-nous un peu comment Pierre et Devon se sont rencontrés. Au début, toute leur histoire, c'est une amitié en fait, qui est née par l'intermédiaire de Mythique. Mythique. Copain d'avant. Match.com. Mythique. Question et ça a mis un petit temps quand même. Combien de temps? Bon, je pense qu'il y a bien eu entre le moment où ils sont commencé à se poser des questions et le moment où ils sont réellement sortis ensemble, il y a bien eu. C'était facile. 90 minutes. 70 minutes. 120 minutes. 120 minutes. 120 minutes. Il faut pas Pierre. Décris-nous Pierre en trois mots. Pierre. Petit. Raplapla. Lit. Drogue. Lover. Concurrent. Beaucoup de cheveux. Hachiche. Raciste. Le troisième mot qui vient. Je sais pas, pourquoi m'inspirer, non? Les potes à Pierre! Les potes à Pierre, Est-ce que t'as vu la robe de Domiti? Non. Non, tu l'as pas vue? Tu penses qu'elle va être jolie ou... Non. Il faut pas être dans un classicisme ringard, alors où est finalement le bon ton entre le classicisme ringard et l'extravagance décalée? Domiti en trois mots. C'est blonde. C'est vraiment pas sympa. Elle a bien joué son coup. Grande électrice. Sexe. Alcoolique.
Ah si, c'est une alcoolique. On fait strict, hein, quand même. Nul. Plein de mecs. Dommage. Grosse poitrine. J'allais dire salope. Salope. Reconnu au bataillon. Non, ça t'inspire pas. Et pas ta pierre. Combien de bières en soirée, Pierre? Ça peut être assez important parfois. Ça dépend des soirs. Incalculable. Ça se compte plutôt en fût. Ça se compte en tonneau, pas en bière. 60. Non, 90. 90. 60. Descendant. Et pas ta pierre. Ce soir, c'est la teuf ou pas? Ce soir, là, pas tellement. Non. Moyen. Non. Non. Ce soir, moi, je dirais qu'on se fait bien chier. Mais, bon, on va essayer de faire la teuf après, quoi. On est complètement fatigué. Complètement crevé. Ouais, je suis mort. Bon, on va chercher, mais bon...